de rien, ici à la fête des Loges, on est quand même sur un endroit historique puisqu'on vient s'amuser dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye depuis 1652. On vient prendre des sensations. Je vais être honnête, là j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus calme. Ah bah il y a un petit train là, ça a l'air bien. C'est quand même un grand classique, évidemment, la maison hantée. Il faut savoir que ici, c'est une des plus grandes d'Europe. Il faut 9 semi-remorques pour la transporter entièrement. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Bonjour, vous êtes une vraie reine? Je suis la vraie reine de la fête des Loges 2023. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Léna. Je suis sûr que vous avez un super pouvoir de faire gagner des peluches. Comment on fait ici? Alors, il faut qu'il y ait 2 balles qui restent à l'intérieur du seau pour gagner. C'est un jeu d'adresse. Ouais. Ah, ah hey, hein. Au bout de la 26e fois. Bravo. Merci. Merci. Rich. Il y a quoi comme nouveauté cette année? On a le UFO, c'est un manège à sensation qui monte à la verticale et qui tourne comme une machine à laver. Il y a l'allée des cuisines qui est présente depuis 370 ans. Vous n'étiez pas là il y a 370 ans, vous? Non. Après la naissance de Louis XIV, il y a eu un pèlerinage. Au début, il y a eu quelques restaurants, puis des jeux pour enfants. Et aujourd'hui, 370 ans après, on est là avec une des plus belles fêtes foraines de France. On est sur le stand de Zouzou. Rendez-vous compte, ça fait 5 générations qu'ils sont à la fête des Loges. On retrouve Calvin, et Calvin il est en train de faire les churros. Exactement. Il faut avoir le coup de main pour pas coller les churros. Donc attention, 1, 2, 3 et hop d'un coup, hop et hop. Et voilà, voilà. Et hop, churros. Alors la tour derrière moi, elle fait 80 mètres de haut. Il est hors de question que je monte dedans, donc on va demander à David, notre ingénieur du son, de monter dedans, parce que David, il a très envie d'y aller, hein, t'as très envie d'y aller. Ok Guillaume, je vais me sacrifier. Ouais voilà, il y a largement de quoi s'amuser ici, jusqu'à 2h du matin tous les week-ends, et puis moi je vais pas repartir tout seul, puisque j'ai gagné mon grand Pikachu. Pika, pika. Dieu.